Velká válka skončila. Jediné, co chceme, je vrátit se domů. Do nové republiky, která se zrodila v srdci Evropy. Jenže trčíme tady, protože sílící občanská válka blokuje přímou cestu na západ. Jediná cesta ven vede na východ přes území, o které bojuje Rudá a Bílá armáda. Musíme přejet Sibiř v obrněném vlaku a pak bezpečně doplout domů lodí. Je to naše jediná šance, jak tuto dlouhou cestu přežít. Možná to bude náš poslední vlak domů. Et bonjour à toutes et à tous, ici le Caméléon, de retour pour un nouvel épisode de Last Train Home. Et à peine je faisais mes petites affaires avant de lancer la vidéo, voilà que ce que vous avez fait, d'accord. Major, on a interprété un étrange message. L'un de nos soldats semble avoir trouvé une radio, mais n'en connaît pas l'utilité. Ah. J'ai déjà entendu parler de cette invention, mais c'est la première fois que j'en vois une. Il est possible d'envoyer un message vocal par voie aérienne. Ceci sert de récepteur. Tous ceux qui possèdent un de cet appareil se trouvent à portée de recevront ce message. Ah, une radio à ondes. Pas mal ça. Votre soldat consulte sa montre et allume la radio. Pendant une minute ou deux, vous n'entendez que des parasites. Tout à coup, une voix retentit. Le message est le suivant. Ici l'armée rouge, des ouvriers et des paysans. Voici notre alerte habituelle. La mort et la destruction se dirigent vers votre train. Ils sont en route pour Omsk. Ils tuent, pillent et violent partout où ils le vont. Ces étrangers sont une menace pour ce pays. Et ses habitants, ils pensent pouvoir agir comme bon leur semble. Ah, les enculés. Nous avons un légionnaire avec nous qui a déserté pour sauver son âme. Écoutez ce qu'il a à dire. Une autre voix chevrotante commence à parler. L'accent est indéniable. Il s'agit de l'un de vos compatriotes. Notre major nous a donné l'ordre de terroriser les civils et de tuer les femmes et les enfants. Des villages entiers ont été ravagés par la famine ou les flammes. Langer éteint brusquement la radio et se tourne vers vous. Ce message est diffusé en boucle pendant une heure. Il y a des témoins et au moins deux autres qui semblent faire partie de nos hommes. Major, sans ce message, nous pourrions traverser Omsk. Mais il semblerait que les Rouges y diffusent leur propagande. Je vous conseille fortement d'aller détruire ce centre. Ok. Mais il se trouve où? C'est bien ça le problème. Ok, ça c'est l'équipe, ça c'est le train. Minute, c'est pas déjà fait? Normalement c'est déjà fait ça. À moins que ce soit ailleurs. Attendez, c'est que vous avez fait? Des rumeurs circulent à votre sujet à la radio. Détruisez la ressource. Ah, la ressource à Homs. Ah, cette fois-ci, il n'y a pas un sanglier qui vient de foncer sur nous. Ok. Eh ben voilà! Pour une fois qu'un sanglier a laissé passer Tchécoslovaque, tranquille, putain! Oh, je vous jure, mais ça m'a rendu fou! 5 villages d'affilée! Vos soldats découvrent une ferme dans un village isolé. Elle semble qu'elle a été abandonnée avant d'être pillée. Mais elle est grande et vos soldats se dispersent pour l'inspecter. Rapidement, quelqu'un aperçoit de la fumée sortant de la cheminée d'un petit cabanon. Vous trouvez deux jeunes filles appuyées l'une contre l'autre, tenant fermement leur manteau. L'aînée, presque une jeune femme, protège sa sœur. Même si vos soldats essayent de ne pas paraître menaçants, la fille la plus âgée ne voyant pas d'autres options suggère qu'elle peut les payer pour être en sécurité et en trouve son manteau pour se découvrir un peu. Les soldats, ignorant délibérément son attention, regardent le matériel agricole autour d'eux. Vous avez beaucoup de matériel ici. L'équipement agricole ne nous rapprochera pas de chez nous. L'atmosphère s'est allégée, la tension disparaît. La plus jeune explique que leur ferme a été pillée à plusieurs reprises par des soldats de l'armée rouge et de l'armée blanche, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Super.
Leurs parents ont été assassinés lors d'une altercation et les deux sœurs ont été laissées là, seules, pour mourir de faim ou de froid. Oh putain. Oh, c'est dégueulasse. On va les aider. Certains de vos soldats ne peuvent simplement pas abandonner les pauvres filles. Ils préparent une partie de leur ration, apportent plus de charbon dans le cabanon, trouvent des couvertures et coupent un peu de bois dans la clôture de la ferme pour chauffer la pièce. Les soldats ne peuvent rien faire de plus pour elles. Ouais, ouais, ouais. Je préfère ça. Clairement, je préfère ça. Le cœur lourd, les soldats retournent au train. C'est tragique, mais il y a beaucoup d'enfants comme elles dans ce pays déchiré par la guerre civile. Et... oui, il y a quelque chose à acheter, mais bon. Ah, par des munitions, ouais, j'aurais pas été content. Comme ça, je pourrais faire des améliorations. Bah oui, qu'est-ce que je pourrais améliorer? C'est surtout pour l'isolation qu'il faut que je regarde. Ah, pour l'instant, les deux sont bons. Tous les deux sont isolés, donc ça devrait aller. Ah, c'est surtout ça que je devrais mettre. Blindage métallique. Parce que, ouais, ça va être très utile. On le voit en plus, la différence. Les wagons ici, ils ont une meilleure gueule maintenant. Parce que là, si j'ai pas de blindage, le train, il va encore s'en prendre plein la gueule. Surtout la locomotive, on le voit, comment il est bien fait maintenant. Ça, c'est bien, ça, comme détail. Ouais. Bon, je vais plutôt garder le tissu pour d'autres événements. Ah, tiens, justement. Près d'une forêt, votre escouade rencontre un officier de l'armée blanche. Il est assis au bord de la route, seul avec le cadavre de son cheval. L'uniforme de l'officier est en piteux état après son long voyage. Il n'a pas remarqué vos soldats. On va l'approcher. Au moment où Joseph se rapproche, l'officier se relève tout à coup et pointe son arme sur vos soldats. Il a l'air épuisé, mais son esprit est vif. Pas un geste! Qui êtes-vous? Attendez, des légionnaires? Oui, vous faites partie de l'armée blanche? En effet, mon cheval est mort. Que faites-vous ici? Je croyais que vous étiez tous à Vladivostok à attendre un bateau pour rentrer. Vladivostok est assez loin d'ici. Comment votre cheval est mort? Quelle question stupide! Je dois me rendre à la gare. Est-ce qu'il y a un de ces fameux trains dans les environs? Vous êtes plutôt pénible pour quelqu'un qui est coincé sur la route sans cheval. Surveillez votre ton, soldat! Vous n'êtes pas mon capitaine, espèce d'imbécile! Wow, 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 on se calme, madame, hein! Les légionnaires et l'armée blanche ne sont-ils pas alliés? Ça dépend des jours. Peu importe. Donnez-moi de la nourriture et une arme. Je me débrouillerai. L'avenir du tsar et donc le vôtre en dépend. Ah putain. L'officier de l'armée blanche, aussi ennuyeux soit-il, demande formellement de l'aide au chef de votre escouade. Il prétend que les légionnaires seront récompensés pour leur aide. Ou punis s'ils refusent de lui prêter main forte. Ah putain. Je perdrai un revolver. Et bon, la nourriture, c'est pas vraiment un problème. Quoique si un petit peu, mais bon. Qu'est-ce qu'il me reste en revolver? Il me reste encore deux là. Là, c'est toutes les armes que j'ai en réserve pour l'instant. Oh, allez, je vais lui en donner. Parfait, vous êtes exactement comme je l'imaginais. Légionnaire, je ne l'oublierai pas en formulant mon rapport. Je vous laisse, vous pourrez récupérer ce qu'il reste de mon cheval. Comment ça? On ne crache pas sur la viande, celle-là. Mieux vaut manger un cheval mort que mourir de faim. Adieu, légionnaire. Je vais faire mon rapport au tsar. Merci. Ah! J'ai pas tout perdu, mais ça va. Voyons voir ce qu'on va avoir ici. Chouette petite gare, en tout cas. Bon bah, on est arrivé. On a fouillé un petit peu ce qu'il fallait fouiller. On a aidé les personnes qui avaient besoin d'aide. Bon, ici c'est buggé, on l'a fait. Ouais, on a tout fouillé normalement. Même si j'aurais bien aimé fouiller certains villages, mais bon, le temps nous aurait manqué. Et malheureusement,
Les rouges ne nous auront pas du tout laissé tranquilles. Donc, c'est parti. Vous arrivez à la gare, où il est tout de suite évident que les rouges souhaitent éviter le conflit. Le silence règne, personne n'est en vue. Ils ont probablement forcé les habitants à se tenir à l'écart. Ou peut-être que la propagande rouge fonctionne et que les gens ont peur de vous. Votre conseiller s'approche. Nous devons détruire la zone où se dresse cette haute tour que vous voyez d'ici. C'est de là qu'ils produisent leur propagande. Il semble qu'ils aient des wagons entiers remplis d'affiches. Oh putain. Nous devons être prudents en traversant la ville. Les rouges en ont le contrôle absolu. Et il y a autre chose, Major. La voix prend un ton plus dur et plus grave. Nous avons connaissance d'un lieu où les rouges gardent des prisonniers. Nous avons des raisons de penser que c'est là que sont détenus les soldats qui ont pris la parole lors de l'émission. Leur acte est considéré comme de la trahison. Nous verrons ce qu'ils ont à dire pour leur défense, si nous décidons d'entrer dans la ville, bien sûr. Ah, qu'est-ce que tu me conseilles déjà? Langer est assis face à vous, il n'a jamais rien fait de tel auparavant. Major, les rouges semblent avoir compris que le terroriser leur peuple ne suffira pas à leur faire gagner la guerre. Ils veulent établir un ennemi commun, donner au peuple une source, et c'est beau. L'armée étrangère qui traverse leur pays fait un bouc émissaire parfait. Si nous perdons cette bataille contre leur tissu de mensonges, nous ferons face à un ennemi bien plus dangereux à l'avenir. Et il a pas tort. Et il a pas tort. Ce genre de choses, je préférerais éviter cela. Allons-y. En voilà un qui va se venger à mort. Mais c'est sûr. Langer se lève et donne l'ordre à vos soldats de se préparer. Visiblement, cette mission lui semble plus importante que toutes les précédentes. Il va jusqu'à vérifier en personne l'équipement des soldats et en conseiller certains sur la conduite à tenir sur le champ de bataille. Sympa. Du coup, on l'a fait cette mission. On l'a fait. Et ça va chier. Ça va chier pour les rouges, mais je crains un petit peu pour les soldats prisonniers tchécoslovaques qui ont été forcés de faire la propagande quand même, hein, de participer. Je les plains un petit peu parce que ils leur ont pas vraiment laissé le choix. C'est peut-être même ceux qui ont décidé de déposer les armes et qui voulaient traverser la Russie tranquillement pour rejoindre Vladivostok pour rentrer chez eux. Hein. Naší hlavní prioritou je vyřadit vysílací věž, aby lidi nemohli poštvat místní proti nám. Také musíme najít ty legionáře, kteří v rozhlase vykládali propagandu proti legii. Nejspíš to jsou vězni. Pamatujte, tohle město ovládají lidi, takže musíme postupovat opatrně. Nedovolte, aby se vám ty lži a nenávist dostali pod kůži. Bien, sergent, c'est bien dit. Donc, non seulement on va faire cela, mais on va surtout aller récupérer des ressources aussi. Hein. En tout cas, c'est pas une mission obligatoire, vu que j'ai un moyen de rentrer directement jusqu'au train. Et ça, c'est la gare, là. Ah. Oh, je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant de l'autre côté. Mais il faut traverser le bâtiment. Ushto. Voyons voir ce qu'on peut avoir. Si on peut avoir encore une voiture blindée, ça serait bien ça. Dle rozkazu. Ok, il y a la petite église ici. Jdu do krytu. Où est mon sniper? Poslouchám, pane. Mon infiltrateur. Měním pozici. Il est là. Un bâtiment, il me gêne en fait. Ah. Nepřítel. Il y a quelque chose là-bas. Ouais, tout le monde de secours. Rozumím. Nepřátelské vozidlo. Putain. Pane. Putain. Zaujímám pozici. Připraven, pane.
Poslouchám. Podívám se. D'accord, là il y a une tour, ok. Rozkazy, pane, jdu na pozici. Mettez-vous là-bas, cachez-vous, laissez mon sniper faire le reste. La voiture va être un problème. Nepřítel. Připraven. Povídejte. Nepřítel. Restez cachés, vous tous. Připravenější už nebudu. Zaujímám pozici. Hele, co to je? Co je to? Hezky opatrně. Arružek bajo! Il s'est tourné, lui. Au mauvais sens. Il y a un autre groupe par là, ok. Joué! Dle rozkazu. Quelque chose ici. Rozumím. Bouge pas. Podívám se. Yes, une voiture. Vidím nepřítele. Ano. Podívám se, co tam je. Samozřejmě. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une voiture blindée. Ça pourra nous être très utile si on se fait repérer trop rapidement. Tout au crédito. Waouh. C'est large, sa zone d'observation. Esky opatrně. Mais pas de chance pour lui. Schlack. Ouch, tout. T'es derrière. Ok, il y a une zone de sortie par ici. Je crois qu'on va utiliser la voiture blindée pour pouvoir dégager les prisonniers. Podívám se. Obligé. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Ah, des explosifs. Ano, pane. Bah, il fait un drôle de demi-tour, lui. Samozřejmě. Faut juste trouver Nepřítel. Dle rozkazu. Tellement gratuit, ça. Vidím nepřítele. Už tu. Oh la belle brochette d'enculé. Hele, co to je? Útočím. Bejte na babla. Bejte na babla. Sakra. Připravte se na boj. Nepřítel spustil poplach. Rozumím. Cache-toi. Bien. Podívám se. Vidím nepřítele. Foufou, le joli combo que je viens de faire. Bon, il s'est pris une balle perdue. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai eu le grenadier et un mitrailleur. Dans le tas, c'est génial. Здесь никого. Хорошо. Никого нет. Очень странно. Où что? Подивимся. Bien sûr. Ah, le pétrole, il est là. L'essence, il est là. On va pouvoir l'utiliser. Faut juste dégager la passage. Je sais, j'ai la frappe d'artillerie, mais je vais le garder en cas d'extrême urgence. Oh. Oh merde. Coucou. Oh merde. Slava Bogu. Ne bude to čekat, pane. Ne, to asi ne, pane. Putain, y a un plus grand danger. Qu'est-ce que ce char français fout là? Qu'est-ce que ce Renault fout là? Claire Oscaso. Alors,
Je crois que je vais avoir besoin de l'artillerie en fait. Podívám se, co tam je. Faut juste espérer qu'il puisse s'arrêter un petit moment. Vaše rozkazy, pane? Ils vont pas se poser plus de questions. Hey, все чисто. Странно, слава богу. Ah, moi, c'était magnifico. Ano, pane. Ano. Podívám se, co tam je. Rozumím. En tout cas, le blindé, c'est réglé. Par contre, s'il y en a un autre, il me reste encore deux tirs d'obus pour cette partie-là pour pouvoir l'utiliser. Mais j'espère ne pas en utiliser, ne pas en abuser. Ah, il a rien entendu. Bon bah voilà. La zone est claire, on va pouvoir livrer l'essence. Par contre, vu qu'il y a un blindé qui se balade, est-ce qu'il n'y en aurait pas un autre dans les parages auquel je pourrais le prendre? Parce que ça pourrait être très utile. Ah, il y en a un qui est en maintenance. Et d'autres voitures. Oh! Mais en fait, c'est une décharge ici. Oh, il y a les obus à côté. C'est pas les mêmes types d'obus pour le char normalement. Hein. Bon, je coupe ça juste au cas où. Schlack. Ok, il y a la voiture qui se balade ici. Podívám se, co tam je. Nepřítel. Rozumím. Quelques gardes ici. Là, c'est sûr, mon sniper ne pourra pas les gérer tout seul. Sans se faire voir. Už jdu. Podívám se. Dle rozkazu. Voilà. On va les laisser tranquilles en fait, ces deux-là. Podívám se, co tam je. Je te garde ici. Postarám se o to, pane. Podívám se. Là, y a rien. Jakoby se stalo. Podívám se, co tam je. Le cimetière, y a rien aussi. Ah, là, y a un petit groupe ici. Samozřejmě. C'est quoi? On va faire la livraison. Už jdu. Nechte to na mě. Samozřejmě. Ano. Alors, techniquement là, il risque rien. Du moins, je l'espère. Allez, mon gars. Parfait. Et une voiture blindée, une. Rozumím, ne. Il manque un soldat pour que le véhicule soit opérationnel. Ah, jak to mám udělat? D'accord, il faut impérativement pour qu'il y ait un soldat en plus. Poslouchám, pane. Pour le conduire. Čekám na rozkazy. Un mitrailleur et un. Ah non, pane. Un conducteur en gros. On voit quelqu'un pour aller le chercher, pour aller l'aider. Ano, pane. Allez. Vidím vozidlo. Poslouchám, pane. Poslouchám. Samozřejmě. Dle rozkazu. J'y pense. Où est mon grenadier? Il est là. Zde. Ah, oh, j'ai une idée. Ano?
Ano, pane. Mets-toi dans un coin. On va lui faire une petite surprise à celui-là. Quoique. Bon, allez, pour le tester. To by mělo stačit. To byl poslední. Ano. Ano, pane. Připravenější už nebudu. On va pouvoir l'utiliser. Oula. Rozumím. Je pas trop voir la voiture buggée comme ça. Ah, il y a un accès ano, par ici. Ano, pane. Vidím nepřítele. Stoj na měste! Už jdu. Samozřejmě. Ah, merci, mec, de nous l'avoir ouvert. Postarám se o to, pane. Dle rozkazu. Vidím nepřítele. Voilà. La voiture s'est pris quelques dégâts, mais ça va. Nepřítel. Bon, en tout cas, l'éclaireur, il était là, il était pépère, et il m'a ouvert la porte. Oh merde, ici. Zaměřuju. Samozřejmě. Contourne-le avant d'attaquer. Merci. Nevidím žádný pohyb. Parfait. Mon autre sniper, il est où? Yeah. Ano. A quand est-ce que la voiture arrive? Tak se podíváme, co tam je. Il est pas encore arrivé. Ah si, il arrive. Nepřátelské vozidlo. Připravenější už nebudu. Il arrive. On va voir si la mine terrestre sera pas mal. Si le one shot, c'est une bonne nouvelle. Bon, ça, c'est réglé. Poslouchám, pane. Jsem na cestě. Vas-y. Donc là, on va se diriger vers les prisonniers. Připravenější už nebudu. Ano, pane. Tut-tut. Ok, on reste là. Připraven. On va faire avancer un petit peu l'équipe. Et une fois qu'on aura récupéré certaines ressources qu'il y a dans les environs, on va pouvoir aller chercher les prisonniers. Ano, pane. Allez-y, courez. Poslouchám. Rozkazy, pane. Povídejte. De secours. Rozkazy. En plus, il y a une amélioration pour que. Ah putain, il m'a fait peur. J'ai cru qu'il y avait une autre voiture qui se baladait. Non, il a fait juste le tour, le con. Dans la locomotive, enfin, dans le train, en fait, j'ai découvert que la pharmacie pouvait lancer une fabrication de trousses de premier secours. Ça peut être utile si je suis en manque. Et maintenant, le tissu et l'herbe vont être utiles pour la fabrication. To by šlo. Et... Musím se někam schovat. Ano. Mais c'est quand qu'il puisse pas voir aussi loin. Rozumím. Coucou. Vidím nepřítel. Oblast je čistá. Rozkazy, pane? C'est tellement bien la technologie. Jdu na pozici. Poslouchám. Ano, pane. Un coup de main. Poslouchám. Musím se někam schovat. Rozumím. Soigner le civil blessé à l'aide d'une trousse de secours. Hledám kryt. Čekám. Je to jen škrábnutí.
pripravený. Legionáři, slyšel jsem o vás jen samé špatné věci, ale jste jediní, kdo se zastavil, aby mi pomohl. Něco vám řeknu. Na hřbitově mám tajnou skrýž. Vezměte si tam, co potřebujete. Rozumím. Klasika. Y'a toujours quelque chose au cimetière. Postaram se o to. On va aller-y pendant ce temps-là, la voiture. Připravenější už nebudu. A. Útočím. Nepřítel. Ah, y'a d'autres trousses de soins. Génial. Ano? Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? De l'or? Oh! Une grosse quantité d'or, en réalité. Ça, c'est bien, ça. On va y aller discretos. La dame Grit. Et on va chercher la trousse de soins ici. Merci. Jsem na cestě. On va laisser les deux soldats faire leur travail. Ils sont juste là pour surveiller le marché. Připravenější už nebudu. Juste au cas où. Samozřejmě. Připraven. Ah, cette petite découverte, c'est fort sympatoche. Tak se podíváme, co tam je. Nepřítel. Poslouchám. Ano, pane, provedu. Už jdu. Stoj. Samozřejmě. Pas de chance. Oh, merde. Ano. Dle rozkazu. Už jim pasa. Nepřátel, kde to zlouchám. D'accord, c'est une autre voiture blindée. La mienne, ça va. Připravenější už nebudu. Il a juste perdu presque un tiers. Au total, mais accompagné par l'infanterie, c'est génial. Vaše rozkazy, pane. Putain, j'ai cru que c'était encore une mitrailleuse, mais non, il faisait pas assez de dégâts pour que la voiture soit en piteux état. On a de la veine, bon, pour l'instant. Ah non. Allez, pane. Là. Tak se podíváme, co tam je. Vidím nepřítele. Ah. Mitrailleur ici, il va falloir qu'on fasse gaffe. Čekám. Jsem připravena. Podíváme se, co je uvnitř. Spillons un petit peu ce qu'il y a dans les environs. To by šlo. Jdu do krytu. Nepřítel. Un officier de la milice, un mitrailleur, un fusilier. Ouais, il faut qu'on réussisse à trouver la clé. Ah, bah justement. C'est le fusilier qui a la clé. Vidím nepřítel. Ano. Ano, pane. Tut tut, fils de pute. Rozkazy? Rozkazy, pane. Jdu do krytu. Vidím nepřítel. Hážu granát. Poslouchám, pane. Zaměřuju. Oružie, ano, pane. Připraven, pane. Ne, ne, ne. Ano, pane. Vaše rozkazy, pane. Où est-ce que tu vas, toi? Vidím nepřítele. Toi aussi, t'as la clé. Jdu do útoku. Ano, pane, provedu. Nevidím žádný boj. Parfait. On va récupérer les clés. Jasná věc. Našla jsem klíč. To by šlo. Et on va pouvoir libérer les prisonniers. Nepřítel. Ano. Quelqu'un d'autre ici. Našla jsem klíč. Ano. Une seule clé suffit pas pour moi. Jste svobodní. Patří někdo z vás k legionářům? Třeba někdo, kdo nedávno mluvil v rozhlase? Nejsme legionáři, ale nutí nás, abychom v rozhlase mluvili proti vám. Nezabíjejte nás, prosím. Navzdory tomu, co o nás v rozhlase prohlašujete, vám nechceme ublížit. Pojďte, dovedeme vás do bezpečí. Už jdu. Ah.
Et là, j'ai le choix pour les envoyer. Тяжкая участь, знаешь ли. Santé est vraiment minable. Připravenější už nebudu. Не знаю как, но надо что-то делать. Allez là-bas. Ah non. De toute façon, il n'y a pas vraiment des... Rozumim. Non, il n'y a personne apparemment. Ah non, pane. On va pouvoir s'échapper. Rozumim. Ouais, c'était bien des prisonniers, mais pas des Tchécoslovaques. C'était des prisonniers russes au final. Il y en a un qui court bizarrement là. Au moins 4 doivent être évacués. Ah bah c'est bon, tout le monde va pouvoir sortir. Poslyšte, byl tu jeden Čech, ale nepřežil. Možná byl od vás. Víc nevím. Je mi to líto. Merci quand même. A děkuju. Samozřejmě. Merci quand même de nous l'avoir annoncé. Ano, pane. Už tu. Coucou. Oh putain! Ouah la vache! Ano pane provedu. C'est une artillerie ça. Idu do utoku. Oh putain, ils avaient une artillerie. Samozřejmě. Ah, ça va être un très très gros problème, ça. Rozumím. Što je vidím nepřítele. Zaměřuju. Stoj. Pas de chance. Dle rozkazu. Alors clairement, je saurais comment le piéger là. Postarám se o to, pane. Que le problème de l'artillerie, c'est que, bah, enfin, du canon du char, c'est qu'il est lent. Ano, pane, provedu. Parfait. Vypadá to, že jsme v suchu. Ano, pane. Poslouchám. C'était surtout le grenadier qui nous posait problème. Ah, il y avait quand même du monde ici, hein. Il y a de la ressource par là. Dle rozkazu. Ano, pane. Putain, elle est grande la map en fait. Rozumím. Samozřejmě. Si je peux en profiter un peu plus de la voiture, je vais l'utiliser. Hein. Ano, pane. Rozumím. Nepřítel. Nevidím žádný pohyb. Už tu. Už tu. Ah, bien. Vidím nepřítele. Idu do útoku. Il y a un kit de réparation. Je vais réparer ici. Mais apparemment, il m'en faudra un ou deux. Je crois. Ano, pane. S'il en faut qu'un seul, c'est pas un problème. Samozřejmě. Poslouchám. Ok. Tout le monde, rejoignez la voiture. Zaujímám pozici. Oh, le canon. Il m'a surpris sur le coup. Mais c'est pas la même surprise que j'ai eue dans l'épisode 10 de la Strain. Hein. Oh putain. Rien que ce moment est magique pour moi. Ano, pane. Poslouchám. Hledám kryt. Ano. Récupérez-moi ça. Našla jsem opravářskou sadu. Et voyons voir ce qu'on peut l'utiliser. Bah normalement on pourra très vite rejoindre un autre secteur. Dommage qu'on n'a pas de moyens pour réparer la voiture. Ah. Vidím nepřítele. Rozkazy, pane. On en a besoin qu'une seule pour faire tout le pont. Ano, pane. Oh oh. Au revoir.
Nepřítel. A. Zaměřuju. Útočím. Ah, voilà un mec plus intelligent. Où je dois? Il a tiré d'abord l'infanterie qui est plus importante que la voiture. Parce que si j'ai plus d'infanterie pour protéger la voiture, bah, il va être très vite se faire submerger. Jsem připravena. Postarám se o to. Allez, vas-y ma grande. Ano? Bien. Où je dois? Ouais, en passant par là, on va rejoindre la tour de la tour radio. Ano, pane. Dobře, jdu tam. On va pas avancer trop vite. Poslouchám. On ignore ce qu'il y a sur Podívám les ponts. Podívám se. Nepřítel. Ok. Deux mitrailleurs. Un fusilier. Pane, tak se podíváme, co tam je. Vidím nepřítele. Ok, il y a de quoi se soigner, il faut couper ça. Les munitions. Jasná věc, podívám se. Par ici, rien. Vidím nepřítele. To by šlo. Tak se podíváme, co tam je. Nepřítel. A je quand même du monde là-bas. Ah. Oh, il y a un autre canon de campagne. Ça, ça va être dangereux. Ano? Ano. Připraven. Rozumím. Mais c'est bon, on est hors de portée. Jsem na cestě. Už jdu. Hledám kryt. Poslouchám. Vidím nepřítele. Útočím. Vidím nepřítele. Připraven. Ano. Jdu do útoku. Ano, pane, provedu. Pane! Víke. Rozumím. Zone clear. Pane? Je vais pas utiliser le système de soins pour l'instant. Vidím nepřítele. Jestli nemyslím, rozumím. Zde si nikoho. Ok. Připraven. Ano, pane. La radio est coupée maintenant. S vysíláním je konec. A teď rychle do propagačního střediska, ať zničíme všechno, co se jim podařilo vytisknout. No, je me disais aussi que la mission n'est pas finie. Silence radio terminé. Připravený. Zaujímavé de propagande. D'accord. Maintenant, je vois pourquoi ils m'ont demandé de réparer ce pont. Ça me permettra d'éviter de rencontrer le canon de campagne au final. Ce qui n'est pas une si mauvaise chose en... Une si mauvaise idée au final. Poslouchám, pane. Už jdu. Bah alors, tu peux pas y aller? Útočím. Vypadá to, že jsme v suchu. Ano, pane. Oh, les munitions qu'on récupère, en tout cas. Oh, une grenade. Jsem na cestě. Faut vraiment qu'on réussisse à garder la voiture blindée. Nepřítel. Ok, je vais la poser. Il ne nous voit pas, tant mieux. Ano, pane. Ano. On va faire les dernières vérifications de la zone. Récupérer toutes les ressources qui est. Vidím nepřítele. Hledám kryt. Připravenější už nebudu. Rozkazy, pane? Rozumím. Ouais, c'est l'un des inconvénients de la voiture, hein. Il doit vraiment suivre une vraie route pour pouvoir se déplacer librement.
Je me demande comment ça aurait été avec le char blindé, mais pour l'instant j'en ai pas eu. Vaše rozkazy, pane. J'en ai pas en ma possession. Samozřejmě. Coucou. Rozumím. Oh, mais c'est un terrain d'entraînement ici en fait. Ušto. D'accord, je me suis occupé de toute une garnison qu'il y avait ici. Ano, pane. Ano? Ano. Oh, putain. Ano. Dle rozkazu. Ah, d'accord. Ah, il y avait un autre blindé ici. Ano, pane. Ah, tu peux pas aller là-bas. Et là, t'es obligé de faire le tour, d'accord. Pane. En attendant, cette équipe-là vont faire le tour pour aller là-bas. J'espère qu'ils vont pas aller alerter l'équipe qui se trouve de l'autre côté de la rive. Bon, c'est un peu dommage, la voiture est un peu en mauvais état. Mais au moins c'est réglé pour certaines affaires. Allez. Rozumím. Dle rozkazu. Il n'y a vraiment plus rien. Il y aura sûrement quelque chose ici. Dež. Ano, pane. Připraven. Už jdu. Ok, on est reparti. La voiture prendra son temps pour venir, mais j'espère qu'il va pas prendre la pozici. La voie la plus rapide. Podívám se. Rozumím. Tak se podíváme, co tam je. Zaujímám pozici. Rozumím. Resursy. Munitions mitrailleuses, ce serait bien ça. Mais avec le canon de campagne dans les environs, c'est un peu dangereux pour la voiture. Faut juste réussir à nous l'approprier. Připraven. Tak se podíváme, co tam je. Nepřítel! Vaše rozkazy, pane? Ano, pane! Je crois qu'une attaque éclair, ce serait le plus judicieux. Vidím nepřítele. Nepřítel! Putain, d'où est-ce qu'ils viennent, eux? Už tu. Rozumím. Poslouchám. Oli. Útočím. Poslouchám. Nepřítel. Poslouchám, pane. Zaměřuju. Dám kryt. Nepřátelské vozidlo. C'était quoi ça? Připraven. Jsem na cestě. Blady. Rozkazy, pane. Voilà, vache. Zatiaľ asi dobré. Il y avait un blindé qui se baladait ici. Oh. Ano, pane. Jdu na pozici. Putain, c'était limite. To by šlo. K
to zděs? Jsem na cestě. Bon bah, retournez ici pour aller vous faire soigner dans un coin. Ano. Už tu. Dle rozkazu. Oblast je čistá. Rozumím. Qu'est-ce que tu vois là? Tu peux pas passer par là? Vraiment non. T'es obligé de passer par au-dessus. Oh. Samozřejmě. Eh, il rigole pas là pour la propagande. Připraven. Hledám kryt. Non, c'est toi qui vas prendre Brnkačka. Ça. Voilà. Jsem na cestě. Čekám. Je to jen škrábnutí. Zaujímám pozici. Budeš žít. Désolé, trompe de touche. Poslouchám, pane. Ok, il y a du métal ici. Už jdu. Samozřejmě. Poslouchám. Musím se někam schovat, jasná věc. Vaše rozkazy, pane? Il reste plus grand chose pour le wagon blindé. Il a bien été utile. Mais rencontrer un deuxième tank sur le chemin... Oh, putain. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Le canon de campagne, je me disais bien que ça allait arriver tôt ou tard. Mais le blindé en plus... Oi. Ah, c'est sûr, on aurait pu l'utiliser en réalité, le canon de campagne. Rozkazy, pane. Rozumím. Ça m'aurait pu faire économiser la frappe d'artillerie. Mais maintenant, il m'en reste plus qu'une seule. Où je dois. Et celle-là, faut pas l'arrêter aussi, hein. Poslouchám, pane. Où je dois. Wow, 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 wow. Drift d'Azé. Ano? Jsem na cestě. Připraven. Podívám se. Vidím nepřítele. Ok, je mitrailleuse ici. Pane. Systém de soin, d'accord. Tak se podíváme, co tam je. Ano. Podívám se. Nepřítel. Ok. Jasná věc. Surveille ici. Tak se podíváme, co tam je. Rien là. Pane. Podívám se. To by šlo. Připravenější už nebudu. La voiture, poslouchám. Hein. Jdu na pozici. Rozumím. Zaměřuju. Ano, pane. Voilà. Jsem na cestě. On a notre sortie en tout cas. Ah non, pardon. Il y a encore des endroits à vérifier, je sais, mais pour l'instant, je vais me contenter de faire la mission. Et une frappe d'artillerie aurait été très utile pour détruire tout ça, c'est sûr. Alors, mais le dernier obus, je vais le garder. Elle vaut de l'or. Ou de la platine. Non, on va pas partir, pas tout de suite. Ok, tout le monde, cachez-vous. Parfait. Připraven. Qu'est-ce que tu vois? Tak se podíváme, co tam je. Si rien. To by šlo. Podívám se. Rien. Ano. Pas trop chose. Tak se podíváme, co tam je. Jasná věc. Pane. Est-ce qu'ils sont tous encore Podívám là? Oui, ils sont encore là. Nepřítel. Quand même une sacrée équipe. Poslouchám. Už jdu. Připraven.
Musím se někam schovat. Ano. Dès que la voiture va arriver, eux ils vont attaquer. Poslouchám, pane. Jdu do útoku. Oh, les cons! Poslouchám. Útočím. Už tu. Tohle snad rudou propagandu zpomalí dost dlouho na to, aby lidi viděli, co doopravdy děláme. Pár. Jasná věc. To by šlo. Mission accomplie. Jdu na pozici. Et la voiture a survécu. Vaše rozkazy, pane. À partir de maintenant, la voiture, je peux la faire balader sur le reste de la map, pour tout ce que je n'ai pas pu observer. Et il y a aussi les deux soldats que j'ai laissés au marché. Ouf. Ah non. Ce seront les miraculés de la ville. Hein. Oh, du métal. Samozřejmě. Par contre, je vous préviens, à partir de maintenant, si je trouve un autre véhicule de guerre qui dirige vers mon groupe, on fuit. Ano, pane, provedu. Elle était toute neuve, elle vient tout juste de sortir de la révision, la voiture. Bon, bah, merci, hein. C'était sympa, hein, en tout cas. Hein. Franchement. J'aurais bien aimé avoir un genre d'atelier pour véhicules lourds, ou légers plutôt, pour qu'on puisse l'utiliser pour chaque mission. Même si ça devrait coûter extrêmement cher en ressources pour en construire une ou bien pour la réparer. Mais vous voyez comment c'est utile. Hein. Là, il y a bien tout le monde qui est là. On peut partir. Nous voulons mettre fin à la propagande anti-légion des Rouges en détruisant la tour radio et les journaux. Notre tentative a été couronnée de succès. Eh ben, putain. Non, je vais éviter de donner les médailles à ceux qui ont déjà... qui ont été dans la voiture. Ça veut dire lui. Et non, pas lui. Enfin, bref. Ceux qui ont été blessés au combat, voilà. Et lui, parce que c'était un bon sniper lui aussi. Hein. Level up. Tous les objectifs ont été accomplis, ainsi que deux objectifs secondaires. C'est ça. Pillage de tombe et un coup de main. Ensuite les ressources. Oh, ça va, hein. Ah, ça va, j'en ai gagné qu'une seule et j'en ai perdu qu'une seule. Et niveau munitions, ah là 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 là, oh putain. Dommage, pour l'arme de poing, dommage. Mais pour tout le reste, nickel. Les tirs et les explosions cessent. Alors que vous surveillez vos soldats, vous remarquez que quelque chose cloche. Des gens commencent à sortir dans la rue, l'air désorienté, mais rapidement, les rumeurs sur la défaite des Rouges se répandent. Votre escouade ne tardera pas à arriver. Mais ils ont suivi par une foule qui ne cesse de grandir. Leur hostilité est palpable. Vos soldats pointent rapidement leurs fusées sur la foule. Les insultes commencent à pleuvoir. Tout à coup, ils se mettent à lancer des pierres. Toutefois, personne n'ose attaquer directement vos soldats. Pour l'instant, vos soldats regagnent enfin le train. Le quai est bondé. Les civils gardent leur distance tandis que vos soldats les tiennent en joue. Les gens hurlent de colère et jettent des pierres sur le train, suivis par cette foule de civils en colère. Vos soldats sont nerveux, ils ne sont pas prêts à tirer sur une foule désarmée. La situation tournait différemment. Brutalité. Aïe. Dégagez, bande d'agras, avant que je perde patience. On va pas tirer en l'air, ça va plus qu'agiter, on va partir. La foule s'est hardie rapidement. Le temps semble s'éterniser alors que le train quitte enfin la gare. Non, sans mal. Quelques personnes font mine de vouloir attaquer, mais un tir bien placé à leurs pieds permet de les disperser.
Votre train s'éloigne, mais vos soldats sont ébranlés par la haine des habitants. Tout particulièrement car ils viennent de gagner la bataille contre les rouges et de sauver la ville. Ils ne fêteront pas cette victoire. Ah. Zatímco jsme se probojovávali k Vladivostoku, pohltili nás události. Zprávy o zvěrstvech se k nám dostávaly na každém nádraží. Občas to bylo dílo komunistů, občas nacionalistů, jindy vinu házeli na nás. Byla to hrozná lež, kterou běžně šířila propaganda. Bílí mezi tím ztratili iniciativu, ale jejich nenávist vůči rudým to nijak neoslabilo. To násilí pramenící z protichůdných ideologií nás děsilo. Obě strany věřily, že zachraňují Rusko. My jsme ale neviděli nic jiného než zemi, která se sama trhá na kusy. Popravdě nám ta politika lezla krkem, ten pocit, že si musíme zvolit stranu. A přesto to bylo nevyhnutelné. Hovory mezi prozatímní vládou a Bílou armádou pokulhávaly. Dokonce mi psal vlastní bratr, který mě varoval před rozšířenou podporou dalších kompromisů. Samozřejmě jsme neměli ani tušení, jak velký dopad to bude mít. Yep. Donc voilà. Voilà le parcours qu'on a fait. Prochain arrêt, Novonikolaevsk. On n'est pas très loin de la Sibérie, hein. Et ça va être un très gros problème, hein. Ça c'est sûr. Rozkazy, majore. Rudí u Vladivostoku zastavili další naše vlaky. A navíc jsme dostali hlášení o menších šarvátkách s bílými. Zdá se, že nám docházejí přátelé. Prozatímní vláda trvá na tom, abychom tuto krizi zmírnili. Jejich plán zahrnuje obnovenou snahu o spolupráci s Bílou armádou. Máme jim pomoct zajistit říšské zlaté rezervy. Samotné zlato je momentálně v jednom vlaku a rudí ho ostražitě hlídají. Máme tento vlak zabavit a získat jeho náklad, který bychom pak měli dovést do Novonikolajevska. Naši vůdci jsou přesvědčení, že zlato může posloužit jako zástava a přiměje bílé, aby nám umožnili bezpečnou cestu nebo nám i pomohli. Naše spojka u bílých, kapitán Korolev, se s námi setká na další stanici v Tatarskoje. Předá nám nezbytné informace. La situation devient de plus en plus chaotique. Et une monnaie solide sera nécessaire pour acheter votre billet de retour. Aucune monnaie n'est plus solide que l'or. Et il y a tout un train quelque part devant nous. Hélas, comme le train est en mouvement, la fenêtre de temps pour l'attraper est très courte. Et les rouges ne vont pas vous le céder si facilement. Ah putain, j'aime pas ça. Cette quête doit être terminée en un temps limité. Si vous mettez trop de temps, la mission échoue. Cette zone de conflit active et les cibles importantes signifient que la réponse des ennemis est plus rapide et agressive. Aïe. Le train d'or. Partie 1. Aïe 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 aïe. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on a niveau dépôt? Il y a le wagon cuisine qui va être intéressant, qui va être obligatoire même. Pour l'instant, je n'ai pas besoin d'un autre wagon d'infanterie, puisque le numéro 3... n'a pas encore la quasi-totalité de ses placements occupés. Il me reste encore 6 soldats à mettre. C'est vrai que j'aurais dû les faire le faire leveler le plus tôt possible parce que j'en ai raté quelques-uns. Côté marchand, il n'y a rien de vraiment utile. Aïe. Bah, je vais encore vendre un petit peu de bois, une petite centaine. Ça nous fera 1600. Ça nous fera pas assez pour acheter le wagon cuisine, malheureusement. Mais au moins, ça nous fera un petit peu d'argent. Et aussi, pouvoir peut-être l'acheter pour le prochain grand dépôt. La composition du train pas nécessaire. Et donc, il va falloir qu'on fasse une course avec le train. Pour aller jusqu'à la finale qui est Novonikolaevsk. C'est pas à côté. C'est à 600 km, ouais. Ah, là, rendez-vous à Tatarskaya et rencontrez l'officier Korolev de l'armée blanche. J'ai 96 heures avant que le train ne soit hors de cette zone.
Ah bah oui, elle a levelé. Yes. Ça, ça va être intéressant, ça. Voilà. Oh là là, ils sont super fatigués, tout le monde. Bah, je les comprends un petit peu, hein. Tac. Et les autres, ça ira. Il y en a une qui a bien morflé. Elle va y rester très longtemps là-dedans. C'est vrai que j'avais oublié ça aussi. Pour faire ce genre de moyens. Ben voilà. 11h52 au total, bah putain. Elle aura pas le temps de finir malheureusement. Bon, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Je vais peut-être pas faire d'amélioration sur le train en tout cas. Vu que cette fois-ci le temps est limité, distance restante. Ah, il me dit combien il reste de kilomètres avant que le train ne soit à portée pour moi. Enfin, je crois. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et tchou tchou. C'était Last Train Home. Avec le caméléon comme d'hab.